Et salut à tous, c'est Zu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des Conquérants. On se retrouve aujourd'hui avec Damned, roi de Sphalen. Salut Damned. Salut tout le monde. Et dans le dernier épisode, il y avait eu la scission de Sphalen. Ouais, vraiment à toute fin quoi. Ouais. Bon, l'avantage de ce que je peux voir, c'est quand même que t'as gardé ta capitale cette fois-ci. Ouais, c'est ouais, ça c'était chiant le changement de capitale, là c'est bon, j'ai bien gardé la capitale, j'ai gardé tout mon royaume en fait, hein. Alors j'ai une guerre, je l'ai toujours pas analysé, c'est contre qui en fait, je comprends pas trop. Le meneur de camp, moi, c'est moi qui suis contre, contre un des princes, alors c'est par rapport à quoi? Guerre de jure minienne pour le comté de Gorlitz. Ouais, je comprends pas, c'est lui qui m'attaque en fait, non? Je pense que tu te fais attaquer par... Attends, on va voir là. Tu te fais probablement... Oui, c'est ça, tu te fais attaquer par Mason, apparemment. D'accord, ok. C'est ça. Mais ça veut dire que tu peux pas déclarer la guerre à la Pomerie. Ah, quoi que, peut-être. Déclarer la guerre à la Pomeranie, ainsi c'est d'une pierre deux coups. Tu sors de chez lui, tu l'attaques et tu profites de défoncer Mason. Je pense que je peux. Il me dit juste que je peux pas parce que mes armées sont levées pour le moment. C'est la seule raison. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être profiter, je vais rester en off 2 secondes, voir si je peux faire une petite... Alors déjà, voir, voyons, parlons peu, parlons bien, est-ce que je peux te redemander une alliance? Déjà. Normalement, je t'ai déjà fait la demande. Ah. Il faut juste mettre play pendant un jour ou deux. Okay. J'ai fait la demande dès que t'as mis sur pause. Nickel, je vais juste voir si je peux prendre une petite alliance, on va dire plutôt pratique. Ou pas. Ouais, alors là j'ai l'impression que tous. Le Danemark, non. J'aurais juste une petite alliance rapide dans le coin, comme ça ça pourrait me soulager dans les deux guerres. Parce qu'il faut quand même que je fasse la Poméranie plus lui. La Haute-Lorraine, c'est quoi? C'est un catholique, hein. Oh bah oui, de toute façon ça va tous être des catholiques hein, dans le coin. Lotharingie. Ouais, faut aller au nord. Au nord pour les pas catholiques. Ouais, mais ça va être la Suède qui est en guerre. À la limite, l'Écosse. L'Écosse, pourquoi pas l'Écosse? Qu'est-ce qu'il a? Célibataire, aventurier, audacieux. Ouais. Vraiment qu'un jour il règle le problème pour qu'on voit mieux si c'est un homme ou une femme. Hein. Bah en Écosse c'est un homme, ou c'est un homme âgé même. Ah, son enfant tu veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, quand tu mets le... Ouais, quand tu mets le curseur, c'est des fils, ouais putain. Ça te le marque si pas. Si tu regardes hein. Knupa, c'est un garçon. En fait, faut que tu cliques sur la fiche de personnage. Et j'ai que des garçons. Et lui, j'ai l'impression qu'il a que des garçons aussi. Non, attends, il a une fille. Il a Ah non, Baldur, c'est un fils. Ok. Baldur, ouais. Non, il a que des fils après. Ouais. Oh, il a que des fils quoi. Une fille et que des fils. Et je crois que j'ai que des fils aussi. Hein. Ouais, j'ai que des fils aussi. Non, donc c'est mort. Est-ce qui c'est qui pourrait m'aider un petit peu là, bordel? L'Estonie peut-être qui est à Zatrou? Non, non, non. Avec oula, oula. Troupes. Ouais, ah non, oulalalala. Putain, mais c'est super éclaté au nord là, la Finlande. La vache? Ouais, c'est éclaté. Ça veut dire moyen de se poser, mais bon. Ah, c'est trop... Novgorod qui est à côté. C'est trop drôle, t'en as un, le comté de Arj... Oh, je le prononce très mal, Arjec. Le mec, il est en prison, ouais. Et il est torse nu, quoi. Bah, rien à foutre. Ah oui, ah, ça doit être ça. Non, après c'est le Danemark, mais elle a pas d'enfant. Après c'est la Suède, mais non. Norègre, ils sont déjà en guerre, ils ont plus de troupes. Ah, ça se complique un petit peu, hein. Bah au pire, ça va être compliqué, mais tu peux... Ceux qui ont quitté en guerre, il a 1000... Ouais, normalement, tu devrais t'en sortir quand même. Ouais, bah après j'ai que 4000 troupes. Guerre, hein. Quand j'aurai fini la guerre ou que ce sera en bonne voie, je pourrai envoyer certaines troupes. Ouais, bon, certes, éventuellement, c'est vrai. Je vais essayer d'influencer lui. Voilà. Parce qu'il est en conflit contre moi. Et puis ça devrait aller. Ce pays-là... Je perdrais probablement le comté de Radek. Mais non, on va pas le perdre. On va la marier à un homme, elle. Mais oui, un de tes fils. Bah ouais, mais elle a 39 ans, alors faudrait qu'elle se marie rapidement quand même.
Bah, t'as bien un chevalier, un chef de guerre célibataire à la cour. Ouais, faudrait-il qu'elle l'en veuille aussi. Demi-frère, je prends aussi. Ah, oui, mais c'est tous des enfants. Attends, je regarde vite fait. Pourquoi elle en veut pas de lui? Mon candidat est un roturier. Oui, mais je te laisse en maître. Ah, non, mais ça suffit pas. Mon demi-frère est champion. Tiens, lui là, tu le veux bien? Ah, bah voilà. Mariage matrilinéaire. Bon, je m'en fous, c'est mon demi-frère. Voilà! Ça, il lui fait des gamins, on n'en parle plus. Ma Rose Godine m'approuve pas, on s'en fout. Je peux créer le duché de Bohème, je m'en tape. Ok. Et ben, allez, on est reparti. Excusez-nous pour la longue attente. Voilà. Déjà, on est allé à la Mercy, ça, c'est fait. Hop, ce que je vais pouvoir faire, c'est... Parce qu'il a que. Il a. La Bohème. Ah oui, non, mais la première année, il a 929 troupes. Ah oui. Mais il a rien en fait. Chef de dynastie, ok, nickel. Ok, comme ça, on peut déclarer la guerre, envahir le royaume. Je crois que c'est ça, hein, non? Non. Ta revendication, non? T'as des revendications sur le royaume, Ouais, c'est oui. ça, ouais. Coup. Tu fais mes revendications Ouais, et c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est fait. On trouvait derrière. L'armée est pas gigantesque. Hein. 4000 troupes. Je pense que je ne peux pas prendre les Yorms Vikings. Je peux les prendre, mais je suis surpris. Ah si, je peux prendre les. Je peux prendre les Yorms Vikings. Est-ce que c'est pas parce que t'es en guerre pour la Suède Et tu crois qu'ils vont pas se battre du coup dans les autres guerres? Ça, je sais. Bah, pourtant, si la Suède, c'est aussi une guerre Azatru-Azatru, donc. Ah ouais. Tu peux les prendre. Bon, alors là, ça va aller, hein. Ça va tellement aller que je vais commencer par m'occuper des 3000 là. Parce qu'avec 7000 déjà. Combattant des forêts. Ouais, alors ça c'est bien, mais faut-il que. Voilà. Guerrier Qu'il y saint. ait des forêts. Ouais, faut-il qu'il y ait des forêts, voilà. Expert en terrain ouvert. Ah, ça c'est peut-être un peu mieux déjà. Quoique, c'est peut-être bien des forêts ici. Attends, je sais même plus comment le À mon voir. avis, oui. Non, est-ce qu'il n'y a pas Terrain une carte colline. Terrain colline, terre arable. Forêt, Les mais là forêts, où. c'est le Ouais. vert clair. Il y en a quelques-unes chez toi. Ah, on peut le voir, Il n'y la en a carte pas des du tout chez terrains. moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en soi, c'est pas si développé que ça, les forêts, hein. Non, c'est vrai. Franchement, ça, c'est dur à utiliser hein, quand même. Hein. Vraiment, à part vraiment quand t'es dans un terrain ou un endroit où c'est que comme ça. Mais quand tu commences à avoir un grand terrain, commence à dire oui, mais je vais me battre là parce que j'ai des bonus en forêt, machin. Ouf. Y en a qui sont mieux, qui doivent le faire. Hein. Mais moi, perso. Oui, c'est ça, mais bon, les parties. J'aime pas que mes parties fassent 350 ans, donc. Non. Bah, Jack, là, elle est longue, mais bon, parce qu'on est en multi, forcément. Oui, mais bon. Vraiment, ça, c'est toujours en vitesse 1 et tu fais une pause toutes les 30 secondes pour gérer le déplacement de ton armée et tout ça. Ouais, c'est un style de jeu, quoi. Tu le fais en temps réel, en fait. C'est ça. Ah, j'aime bien bataille potentielle, vous allez gagner facilement. Bonus, défendre dans les collines, bâtiment défensif, meilleur commandant, plus de soldats, plus de contre d'armes. Eux, ils ont rien. Ah oui, je vois. D'ailleurs, il fuit, hein, c'est Normalement, bon là, signe. je fais ma bataille et puis j'envoie ma plus petite armée quand même parce que bon, je vais garder une pour faire le siège. Ouais, mais t'embêtes J'envoie ma pas plus petite trop armée chez trop. Hein. toi. Parce que je vois qu'ils t'ennuient au nord là-bas. Ils sont en train d'essayer de te prendre une province. Bon, c'est juste ça ce qui est chiant, c'est qu'il faut être sur tous les fronts, mais à part ça.
Parce qu'on... Allez, faudrait capturer le commandant là. On gagne la guerre. Eh bien non. Par contre, on les a stackwipe. Hop. Du coup, on va aller faire le siège. Hop, j'envoie l'autre armée. Je vais l'envoyer. Je l'envoie chez toi, au milieu de ton territoire. Et puis, quand j'arrive, elle se débrouille. Pas de problème. Là, j'ai l'autre armée. On va faire le siège de Navarre. Un compte pour 50 pièces d'or, on le fait. Et le reste, on exécute pour gagner en redoutabilité. On en a un peu besoin. Voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a du bonus en siège? Vu que j'ai séparé mes onagres. Non, pas de bonus en siège, c'est dommage. Ah ok, 3 ans pour faire le siège de Navarre, ça va? Ouais, ça va. Nommer un successeur, attendez, on verra. Laisse mes enfants grandir, s'il te plaît, je... Bon, je vais pas l'envoyer tout de suite, j'ai d'abord rechassé les troupes ennemies. Et là maintenant, combien de temps? Plus que 17 mois depuis que j'ai apporté les onagres, ça va. C'est honnête. Est-ce que je suis pas mieux en fausse côté? La Tripolitaine qui a refusé de venir dans ma guerre apparemment. Ah oui, en fait, je suis en guerre aussi contre ce royaume d'une province. C'est effrayant, franchement, j'en ai des sueurs. Et attends, le royaume, il fait une province. Ah oui, quand même. Toi, t'es où? Toi, tu... Ah mais oui, tu m'étonnes que tu m'aimes pas. Et niveau thune, t'es à 504. Okay. Ça. Ah, je pourrais l'attaquer lui après, il est indépendant et si je l'attaque, je peux créer le duché de Basse-Lorraine. Ah. C'est pas prioritaire, mais ça c'est à faire. C'est ça. Ah oui, tu parles de Seine, c'est ça? Oui, je crois qu'il est à gauche là. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mon demi-frère peut se marier avec elle. Eh ben oui, aussi. Il est classe comme personnage. Imposer le divorce. Par contre. Pardon. Fais attention à la province de Wolin. Parce qu'il a 1000 troupes qui font un siège sur place. Là-haut? Ah oui. Ouais, au niveau de la mer. Je vais y aller avec mes 2000 troupes qui font un siège qui n'avance pas. Et mon intendant vient de m'obtenir 100 pièces d'or. Merci l'intendant. Merci l'intendant, oui c'est clair. Ah, il a 21 score. La reine... La reine Beata, non, je peux la rançonner que 28. Pourquoi la... en prison, madame. Pourquoi la Suède m'appelle encore dans sa guerre alors que je suis encore allié avec eux? Ah oui. Mais non, en fait. Franchement, démerde-toi, la Suède. Votre déshonneur a un prix, perte d'un niveau de gloire. Ah oui, bah oui, oui. Tu vas le récupérer. Ouais, en plus, je suis vraiment à deux doigts d'être célèbre. Hein. Il me manque pas beaucoup de points. Mais par contre, j'aurais bien aimé ne plus l'avoir, cette alliance, moi. Ça m'emmerde. Va te faire foutre à la Suède. C'est ça. Faudrait vraiment qu'il meure lui en fait. On peut pas l'assassiner. Ah si, on pourrait l'assassiner le roi. Mais ouais, mais est-ce que ça... Oui, ça changerait l'alliance. Ça dépend le niveau de mariage, je suppose. Ouais. Ça
Ce serait un vieux pleutre qui le récupérerait le royaume, quoi. Il y aurait bien moyen. Hein. Vas-y, je vais le lancer en fond pour voir. On sait jamais, ça peut toujours fonctionner. Exactement. Hop. Bon, je vais avoir besoin de faire quelques meurtres, apparemment. Les autres, ils ont fui du siège, tant mieux. On va les attraper, de toute façon. Ah non, toi, t'es de la bonne religion. Wow, y en a trop qui sont de la bonne religion. Hein. J'ai combien de rentabilité? 100, c'est bon. Quelques-uns qui sentent pousser des ailes, donc... Et le combat, il est dirigé par le roi. Allez, sur un malentendu. Et ben voilà. GG. Ça. Et tu finis tes deux guerres, du coup. Et ouais, bah non, une sur les deux, déjà. Bah Mason ne peut plus t'attaquer, vu que tu deviens son roi. C'est con. Ah, il peut quand même t'attaquer. Bon, après, ouais. Tu peux faire une paix blanche, hein, mais... Et Wallin... pourquoi il est indépendant, Wallin? Ah non, parce qu'il est dans la guerre. Oui, c'est qu'il est dans la guerre, en fait. Ouais, non, Wallin, c'est bon, il est chez toi. Moi, je le vois chez toi, en tout cas. Non, mais moi, je le vois indépendant, mais c'est parce que je pense qu'il est dans la guerre, il a rejoint l'autre, là. Wallin, oui. Il est en guerre avec toi. Ah, avec moi, oui, c'est un allié. Ce qui est con. Je viens de l'écraser, c'est un allié. Mais peu importe. Non, ça va, c'est propre. Et là, l'argent, je devrais pouvoir l'avoir assez aisément. Donc, l'Empire ne devrait plus tarder. T'en es où? T'en es à 600. Ouais, ça va, ça avance. Ouais, je suis à 600. Là, j'en ai plus trop. Bah, l'autre, j'aurais pu le prendre. Mais bon, ça met fin à la guerre sans faire aucun siège, c'est plus rapide. Mon personnage aurait 50 ans, j'aurais peut-être hésité. Mais là, à 29 ans, bon, je pense qu'on devrait y arriver, quoi. Ouais, franchement, ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais t'y aider un peu. J'espère que je pourrai redevoir tout ça un jour. Bah, tu m'as actuellement quand même bien quand j'ai des guerres, donc... C'est vrai. Disons que je paie tes troupes. Voilà, ouais, c'est gentil. Un peu de retard, mais je l'ai fait. Non, il n'y a pas de retard. Hop. Alors, ici... Oh, mais allez vous faire foutre. Allez hop. Putain, j'ai encore des rebelles maintenant. Enfin, c'est juste des paysans rebelles, hein, donc ça va le faire. Mais j'en ai juste partout dans mon pays. Là, il est quoi lui? C'est énorme, je peux appeler dans ma guerre un membre de ma dynastie, le capitaine Sigurd. Il est capitaine du Hird de la Reine. Ou Hird, H-I-R-D, je sais pas comment ça se prononce. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est une compagnie mercenaire. Ah ouais, d'accord. C'est con, je peux pas l'inviter à s'installer chez moi, tiens. Viens, mon ami. Ouais, j'aimerais bien, ce serait cool. Allez, on va les écraser. Écraser un rebelle, écraser l'autre rebelle, et après j'en ai 4000 qui font un siège. Il y en a beaucoup qui font des sièges. Mais ça va, ils sont tous dispersés. Ah, apparemment... Juste deux rébellions identiques. Vous voulez pas vous entretuer un peu avant? L'autre que j'ai enlevé là de. Il a. Enfin que j'ai gagné là, le mec de la Poméranie, il a créé une faction pour lui-même en tant que prétendant, il est le seul dedans. Bien joué. Mec qui veut le reprendre quoi. Convertir. Et voilà, 100% de compte de guerre. Prisonnier le comte. Comme je lui en veux pas, non mais je t'en veux pas, c'est pas grave. Comme ça, donne-moi 50 pièces d'or.
Y'a pas de problème. On va être sympa. Alors, le père est en train d'être terre. Mon héritier, c'est une femme, c'est ça, et donc. On verra défier, on s'en fout, appeler à la guerre. Appeler un membre des cons. Des vassaux. Déclarer des guerres, des titres, un mariage. Martha. Hop. Je vais juste mettre sur pause 2 secondes parce que là j'ai un peu de trucs à gérer. Vas-y, vas-y. Et tiens, marie-toi avec le vieux des hommes du Nord. Voilà. Héritier, héritier de. Ah, il va me manquer de la renommée aussi. Du prestige, pardon. Choix rayonnant. Comment on fait déjà ça? C'est pas avec. Non, c'est pas banquier. Non, je peux pas pour le moment. Non mais c'est pas grave, on va déclarer la guerre au petit comté que je disais déjà. Ok, la rébellion, elle est où? C'est la rébellion quoi? Rébellion catholique andalouse qui... C'est la réunion à Rouen. Parce que oui, c'est vrai que ben, Rouen c'est très en Andalousie. Bah énormément. Franchement là, je suis admiratif de la géographie qu'on a dans le jeu. Ah oui. Parce qu'on n'a pas montré, on a vu ça entre 2 épisodes. Mais on a quand même les Alpes de Transylvanie. Oui, c'est vrai, on a les Alpes de Transylvanie, ouais, ouais, qui sont... On... Assez... Ah non, oh, le nain est mort. Ah bah ouais, par contre, ouais, il a pas fait long feu, lui, hein. Ouais, on avait un autre nain. On était contents, on avait trouvé un autre nain, et non. Un nain dont la femme avait un énorme chapeau. C'est ça. Bah comme celui de la reine de Hongrie, mais... C'était plus ridicule quand t'as un nain comme mari et de porter ce genre de chapeau. C'est clair. Hop, bon bah c'est parti. Moi c'est bon, c'est bon de ton côté. C'est bon du mien. Ah pardon. C'est bon. J'ai appuyé sur pause en même temps. Et vu ouais ouais mais... Bah oui avec le petit décalage, oui oui, autant pour moi. Hop. Ah, j'ai perdu quelques titres. Ouais, d'accord, j'ai perdu un peu de territoire qui est à l'Estonie maintenant. Mais je les récupérerai, c'est pas grave. Ah, mais ouais, les terres dans la mer, c'est ça? Ouais, c'est au ça. Au milieu du Danemark. Tout à fait. Ouais. T'as quand même, on a quand même une province avec nos ambassades. Ça genre Basse et Ribe. Hop. C'est ça. Islande. Ah, oui, c'est vrai, Islande, j'ai essayé de me faire ami avec lui, mais m'aimait pas. Mariée, alors tu vois, je sais pas si c'est un... Et là, alors là je comprends pas parce que j'ai déclaré une guerre comtale, donc contre un mec qui est catholique, et bah là, je ne peux pas recruter les Jorms Vikings. Ouais, bizarre. Bon, après ça va pas le plus compliqué qu'il y aura à faire contre eux. Non, mais pour dire tu vois. Mais, c'est ça, ça a pas beaucoup de sens. Ils vont être combien à Rouen là-bas? Ils vont être 7000? 7000 catholiques qui vont mourir à Rouen. C'est triste. Hop, alors ici la sultane, 118, j'accepte la rançon. 75, j'accepterai peut-être la rançon. Toi, tu restes en prison. Je peux vassaliser un mec qui est indépendant là? Ah ouais? En féodal faible, ok. Sinon, réticence de base, vous êtes un autre groupe culturel, intimidé par vous plus. Ouais, on va le faire. La première fois que j'arrive, que je peux faire ça, tiens, proposer de vassaliser accepte quelqu'un. Le paiement. Oh, vous devenir empereur. Presque, il me manque de la répute. Ah, bon. T'as plus de problème d'argent, c'est déjà ça. Et il te faut combien en réputation pour avoir Il va me manquer 1000 points à peu près là. Bon, ça va vite alors. Ça va aller vite. Quelques guerres, quelques pillages. Franchement, avec les pillages, c'est une pièce d'or te rapporte un de prestige. Donc tu ramènes 100 pièces d'or, 100 de prestige. C'est ça. Merde, le roi suédois est mort, mais j'ai été découvert. Ah. Je suis un meurtrier. Wouah. Pas grave. Alors je fusionne mes armées. Ça donne quoi ici? Voilà, si je suis plus allé avec la Suède. Non. Bon, je peux pas traverser pour le moment. Ah, je commence à avoir plus de troupes. De toute façon, j'ai 9 mois pour récupérer des troupes. Donc ça va le faire. Pendant que lui il en perd vu qu'il est en siège. Ah oui, en plus j'avais débarquement restant donc. Et là ça donne quoi maintenant? Ça donne une bataille égale.
Alors que j'ai que des... En fait, j'ai que des trucs bonus. Mais on a... Ah non, c'est moi qui ai le truc, ça fait quoi? L'approvisionnement de l'ennemi se réduit. Ouais, ça va, ça devrait pas être problématique. Ah, attends, attends. Le roi de Lotharingie qui fait une guerre sainte pour le duché de Westphalen. Ah. Ah. Bah, c'est l'heure des Yorms. Après, c'est ça, il a 4000 troupes. Il a 4000 troupes et après, je vais venir te rejoindre. Hop, proposer de rejoindre la guerre. Guerre sainte. Voilà, vas-y. Je suis dans ta guerre. Et je finis mes rebelles et après, j'arrive. Je suis pas loin. J'irai à Cambrai, tiens. Il est avec Aquitaine, machin. Ouais, j'ai pas beaucoup d'autres alliés que je peux inviter. Hein. Je peux inviter une comtesse. Ouais, la mythe de 100 troupes, alors... Ah, je peux pas l'appeler. Ah, c'est une... Oui, non, c'est un vassal, je peux pas. Je vérifie vite fait si l'Écosse a eu des nouveaux enfants. Oui, mais c'est un fils. Merde. Mais il y a une fille, là, non? Non. Ah, non, mais... Putain, mais tous ses enfants semblent à des filles. Ah, non, mais c'est une... Ah, c'est une galère, hein. Franchement, pour ça... Ouais. Sinon, Connect. Chez Connect, t'as pas de... Il y a une fille, là, non? Ah, il y a une fille à Connect et ils ont 5000 troupes, donc c'est pas... C'est pas rien. Alors attends, la fille, elle est où? C'est à la fin. Ah. Fille, c'est ouais, plus loin, ouais, plus ouais, ouais. Plus. Arranger un mariage. Et t'as Miss aussi. Miss qui ont 4000 troupes, donc... Ok, ils sont d'accord, donc on prend. Et c'est qui, Miss? Ah oui, 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 c'est oui, oui, juste oui, à côté. Oui, oui, exact. Audacieuse. Arranger un mariage entre elle et mon fils de, bah, de 5 ans. Accepté. Voilà, on prend. Je remets lecture. Hop, moi je détruis. Ah, la France est venue. Ça va faire mal. Ah, et je ne peux pas recruter les Yorms Vikings. Pourquoi? Je comprends pas. Ils sont déjà là ou quoi? Bah non. Déjà embauchés apparemment. Bah moi ça me dit recruter par vous. Ah bah en fait je les ai déjà. Ah, mais d'accord. Ah, c'est eux en fait ça? Mais ils sont où? Attends, je comprends rien là. Essaie de faire lever toutes tes troupes, peut-être que tu les as, mais que tu les as pas levées. Ben écoute... Ah mais ça doit être ça. Voilà. Ça doit être ça. Bon par contre là on va galérer, parce qu'on a quand même... trois petits pays, hein. C'est ça, alors attends parce que... Est-ce que je peux les appeler du coup? Appelé à la guerre. Normalement, oui. Guerre sainte. Oui. Et Maif, appelé à la guerre. Guerre sainte. Oui, parce que... Fais voir, je vais pas regarder. Ouais, il y a un peu plus de monde, effectivement. Bah, le roi de Suède, non. Déjà, ouais, la France... Il y a quand même 8000 troupes en plus avec la France. Bah, ça. Normalement, avec les deux qui arrivent, ça fait 10 000 troupes. Toi, t'en as au total... t'en as 10 000 et moi j'en apporte 7 000 donc ça va, on va s'en sortir. Bah ouais, ouais, parce qu'après là c'est le Danemark, mais le Danemark je peux pas. Je peux pas arranger de mariage. Ah, quoi que. Ouais. Ça à moins que, hein, mais je suis pas certain. Bon, avec l'héritier, tu peux peut-être faire un mariage avec l'héritier du. T'as une fille en héritier du Danemark. Ouais. Tu prends l'héritier et ça, tu fais la alors, petite attends. Fille de la reine en gros. La petite fille de la reine. Ah oui, alors attends, c'est quoi? Ça va être... putain, attends, comment tu la vois, toi? Parce que moi, quand je mets Royaume du Danemark, ligne de succession, Olouf. Tu prends la reine, ouais. Tu prends son principal héritier, ouais, qui est Olouf, et ouais. Lui a une fille. Et tu te maries avec elle. Je sais pas si t'auras le mariage avec directement la reine, mais t'auras quand même un mariage qui sera peut-être retardé, mais t'auras un mariage avec le Danemark en fin de compte. Bah, je vais regarder bon, s'il me sera... le parle... Ouais, parce que c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, pour le moment, il m'en parle pas. Oula. Je pense qu'il y a un peu d'orage. Chez toi ? Je viens voir un flash lumineux. Ouais. Ah ! Je suis pas sûr, mais je pense avoir vu un flash lumineux d'un coup. Ouais, non, il y a ouais, de l'orage. Ah, je l'entends. Je l'entends à travers ton micro. Les gens doivent l'entendre aussi, du coup. Et voilà. N'ayez pas peur, c'est chez moi. tout va bien, tout va bien. Bon bah écoute, on va... Bah pff, là de toute façon ça me fait rien de plus, donc on va rester comme ça, on va voir. Hop. Ok, donc eux c'est bon, ils acceptent. Si.
Connu pour mon dévouement à la foi, parfait si vous le dites. Oh, la guerre en Suède est finie. Oui, tu m'étonnes, oui. Mon vassal a été blessé, ouais, c'est bien. Bon, elles sont où les troupes ennemies là? Tu vas voir, elles vont débarquer chez moi par le sud, elles vont se tromper de pays. Ouais. Ah, c'est pas là, Osfalen. On s'est trompé. Ah bah mince alors. Ah bah zut. Et puis 6, 7 mois, ok. Donc j'ai bien les on a 2500. Il y a 5000 qui arrivent et 4000 de l'autre côté de l'Angleterre. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, niveau nombre, ils sont 19000, on est 27000 hein, pour le moment. Ouais, et les troupes sont vers Anvers, Brabant, de ce que j'ai pu voir. Oula, je vais me replier. Il y a 13000 Français qui arrivent. Ah, alors fais le tour pour rejoindre Biamétère avec tous les alliés, là ça devrait le faire. Ouais, c'est ce que je fais, je passe par la mer. Oui, oui, ça je vais prendre combien de temps? 25 décembre. C'est un peu juste, mais normalement ça devrait le faire. Parce que toutes les armées. Je sais pas, il y a qui? Il y a la Lotharingie et les Français qui arrivent par le nord. Donc, ouais, c'est ça, ils voulaient. Et ils me foncent dessus, mais ça va, je m'échappe à temps. Ils arrivent quand? Ils arrivent. Ah non, ils vont m'intercepter. Merde! Bon, allez, après, j'ai 4000. Je vais me replier. Allez. Ah, mais c'est quand même des enculés. Non, parce que là. Oui. Bah, j'ai tenté un truc, hein. Ils ont agi correctement. Ils ont agi comme tout le monde aurait fait. Allez, je peux même pas oublier de la bataille, quoi. Je peux me replier en merci. Je peux pas me replier chez toi, en gros. Bon, ils vont avoir un peu de score. Ouais, bon, ça, c'est pas très, mais, très grave. Mais je te conseille de monter tes troupes vers. Je vais chez toi. J'ai demandé de me replier chez moi, je vais chez toi. Bah, ce serait bien que lui, là, déjà avec son armée de Dublin, il fuit. Hein, il redescende, là, parce que tout seul. Ouais. Et moi, je vais me mettre tout près. Ça commence à bouger, je pense, autour de chez. Ouais, c'est toi qui bouge. Ouais, ouais, je bouge, moi. Ils ont fait 5% de score, ça va. Oh, mais ils ont intercepté le mec, putain, mais quel boulet. Il y en a 3000 de plus qui se ramènent. Merde. Ouais, ça fait 14000. Attention, il se rapproche. Bon, j'ai plus en arrière. Bah ouais, ouais, ils vont se rapprocher de toi. Hein. Ils vont vers la cible de guerre, je pense. Bah pour moi, je les laisse faire. Comme ça, je finis tranquillement le siège. Ouais, ils vont à Westphalen. C'est sûr. Donc, moi, je vais rester au nord pour le moment. Ah, ou alors ils vont vers moi. Que tu vas arriver à fuir, hein. C'est pas que je ne veux pas t'aider, mais. Ouais, bah je vais aller jusqu'à Brême et puis je vais vers le sud. Ouais, non, ils vont s'arrêter, faire des sièges. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vers Waldeck, à mon avis, et qu'on se rassemblera dans ce coin-là. Ça roule. Bah, en fait, c'est que je voudrais juste finir, c'est possible, ce truc-là, comme ça, le comté, hop, c'est acquis. Oui, c'est ça, je comprends. Il y a et après, me, me concentrer sur l'autre, quoi. Oula, ils vont mettre 5 mois pour faire le premier siège. Ils sont vénères, les Français. Ouais, tu m'étonnes. Bon, après, ils se dispersent. Ils étaient 17 000 sur la province, hein, donc... C'est ça, moi aussi. Mais ils ont quoi comme... Ah mais oui c'est ça, ils ont les magonaux qui sont les armes de siège évoluées. Oui bah, je suis pas très étonné malheureusement. Bon bah l'autre Irlandais il se fait encore démonter. Quoique... Ah ma femme me déteste. Ah j'ai assassiné ouais. Ah c'est un membre de sa famille que j'ai assassiné à ma femme en tuant le roi de Suède. Ah oui. Wow. C'est
Ah, grave. C'était son frère. Wow. Ouais, bon, voilà. Ce que tu peux faire, c'est peut-être monter tes 4000 troupes qui sont en arrière. Déjà. Ainsi, ça va peut-être faire suivre les Irlandais du Connect. Votre alliance avec l'empereur de Mercie a pris fin. Ah. Alors, j'ai eu des terres, je sais pas lesquelles. Ici, c'est pas celle-là. Deux secondes, je me surpose parce que j'ai reçu des terres, mais je sais pas où j'ai reçu des terres. Ça peut-être. Ça fait partie de Casti. Ah, j'ai trouvé un autre nain. Ah, on aime bien les nains. Toujours. Le duc de Casti. C'est un nain ivrogne, bof. Il a une tête marrante. Ah, ça. Il a une tête marrante. Alors, où ai-je d'autres terres? Ici, c'est quoi? Ça, c'est. Comté de Mercie, non, ça je garde. Comté des Asturies. Ça je garde. Comté de Cornouailles. Pour le moment, je garde. Ouch. Petit royaume de Mercie. Comment? 7 sur 6. Ah, mais c'est parce que ma femme est morte. Voilà. Ok. Quelqu'un qui soit bon en économie. Oula. Compliqué ça. Voilà. J'ai trouvé une femme qui n'est pas membre de famille, mais très bonne en économie. Donc. Ah, mais t'es en bataille. C'est ça. S'il me laissait finir mon siège, ce serait bien. Tu restes à portée là avec tes 6000 hommes, toi t'as pas peur. Exactement. Ils viennent pas, hein. Quoi ça? Je pense que même si tu te ramènes, on peut les taper. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Mais j'attends, je voudrais que mes 5000 remontent aussi là, mais je suis quasiment à la fin de mon siège. Si t'arrives en moins de 20 jours, on évite le siège. Sinon, il faudra reprendre un siège derrière. Ça y est, les alliés. J'ai lancé une attaque, les alliés se bougent. Ah, ça va être dur, je pense. Ok. Ouais, non, c'est passé. Mais. Bon, là, ça va être dur parce qu'on va se taper tout le monde. Mais je pense qu'on est supérieur. Et sur notre guerre, tu l'as réussi. Donc, parfait. Ouais, l'autre guerre c'est fait. Allez. Nickel, il y a 2000 troupes qui arrivent en renfort. Et 1800 qui arrivent du nord. En vrai, là c'est bon. C'était légèrement en notre défaveur, mais. Ouais, c'est bon, ouais. Et du coup, ils ont mais fait ça quoi là très stable, hein. Ils se sont barrés? J'ai pas trop fait gaffe du coup. Il y a. Je sais pas. Je sais qu'il y en a 2000 qui sont restés au nord, les 2000 d'Aquitaine. Et t'as 2000 de Dublin qui se ramènent, qui sont ceux qui sont fait poutrer dès le début. Hop. 12 000. Hop. Bon, on est à... il reste 0 troupe ennemi, je pense qu'on peut mettre fin à la bataille. Effectivement. Ouais. Je vais m'occuper des troupes d'Aquitaine. Pareil, il y en a 2448 qui sont au nord là, je vais aller les chasser. On va suivre le même chemin apparemment. Ah d'accord, ok. Bon bah tout va bien. Hop. Ouais non mais en fait t'es timide toi, donc arrête de faire ce que je viens de te demander de faire. Non mais non. Tant pis, on va reprendre encore plus de stress. Putain quel con. J'aime le stress. Ah non mais ouais, mais laisse tomber. En fait j'avais oublié, il est timide et je le fais séduire. Donc le mec il est en train de monter en stress. Mais total. Effectivement ça aide pas. Ça. On devrait pour
pour aller choper. Ah, il sait plus quoi faire là. On a très bien agi. Une très belle tactique qu'on a mise en place là. Tout à fait. À gauche, à droite, pouf. Terminé. Hop, plus perdu. 30%. Voilà, on a dessiégé. Parfait. Maintenant, on va faire des sièges un peu partout 10%. Ici. Hop. On va les mettre un peu de pression. C'est ça. Ici, c'est un siège de niveau 3, donc ça va le faire. Alors, Grim. Merci. Non, Grim, il reste en prison. Toi, par contre. Putain, je suis très riche là. J'ai 2700 pièces. Je vais en profiter. J'ai mon château, je peux pas encore l'améliorer. Par contre, je peux construire des trucs. Plus de troupes. Je vais partir sur quoi? Camp militaire. Allez hop. Impôt supplémentaire. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, mon intendant. Et que puis-je construire à Rouen? Putain, Rouen, c'est très bon comme ville en fait. J'ai pas regardé, mais il est quasiment développé avec un maximum de trucs. Ah, je suis cool. Plutôt. Ouais, ils ont une très bonne ville. Ça rapporte un max. Même si elle s'est fait piller récemment. Ah. Ah, ma fille n'est plus maladive. Ok, il recommence à se regrouper un petit peu au sud là. Alors, est-ce qu'on envoie une petite. Deux petites armées? Bon, ils ont combien de temps? 6 mois de siège. Moi, mon siège va durer 5 mois. Bah, tu sais quoi, je vais y aller. Reste, fais non, les non, sièges. Non, mais j'ai deux armées, donc j'en ai une qui va rester faire le siège. Je vais descendre avec toi. On sait jamais qu'il y ait une armée qui se cache, tu sais. Dans la pénombre. Tiens, ouais. Déjà, là, tu vois, il y en a 4000 qui se ramènent. Donc, faisons gaffe quand même. Nouveau point de martialité. Je vais partir sur contrôle absolu. Bah, eux, je peux les intercepter, tiens. Donc, si tu me suis, allez, c'est parti. Ouais, je suis derrière toi. Je suis derrière. Ah mince, ils ont abandonné les sièges derrière. Bon, on va quand même avoir du score vu que tu gardes une armée en pour en faire. Oui. C'est parti. Ouais, bah ça c'est les alliés. Hein. Pas trop leur donner de consignes. Hein. Bon, par contre, ça viendra, voilà. J'espère. J'espère aussi. Par contre, on leur fait très mal. Le roi Henrik pourrait rejoindre le camp adverse. Il a combien de troupes lui? C'est qui le roi Henrik? 7000 troupes. Ah, le roi d'Angleterre. Oh putain, ça ferait chier ça. Oui, mais non. Il va rester chez lui. C'est un gentil enfant. De ce que j'ai vu, c'est qu'on pourra gérer la création de culture. Oui. Dans le prochain DLC. Ça, c'est bien. Ça, franchement. Si on peut avoir une création de culture comme on a la création de religion. Mais en mieux, je prends parce que tellement importé. Là, tu crées ton royaume, tu crées ta culture. Je pourrais faire une paix blanche hein, si tu veux qu'on soit tranquille. Comme tu veux. Ça te rapporte quoi de faire une. Appuyer les exigences? Ça te rapporte. Oh, 400 pièces d'or. 400 pièces d'or et 200 de prestige. Et il te faut encore beaucoup de prestige pour. Parce que franchement, du prestige, tu vas t'en faire avec la guerre donc. Bah, je vais pas m'en faire plus que ça, hein. De toute façon, on va se partager 200 de prestige en tout. Quel que soit le. Comme tu veux. C'est pour l'or. Cas, on se fait 200. Ouais, c'est de l'or après. Si t'as mais... besoin d'or. Si t'as besoin d'or, on peut continuer sinon. Bah, je sais pas si on peut arriver à 100% rapidement ou pas. À mon avis, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, y'a le roi d'Angleterre qui a rejoint et tout. Non, faisons une paix blanche tant que c'est possible. Voilà. Ça les calmera. C'est tout. Voilà. Écoute. Derrière ça, je peux ériger une pierre unique, donc parfait. Et que graver? Et tu peux, pour du prestige, tu peux faire un banquet ou aller chasser, hein, aussi. Oui, c'est peut-être ce que je vais faire, ouais. Hop, combien de troupes en Asturie? Asturie, mais voilà, je me disais bien, déclarer la guerre pour un duché. Soit je prends Béra, soit je prends Porto. Je pense que j'ai commencé par Porto, ce sera le plus simple à... Ah non, Béra, il y a sa capitale, il y a plus de terre. Ce sera toujours moche pendant un moment, mais... Ça. Hop, mon conseil ici. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un de mieux en attendant? Voilà.
gagne un mois là-dessus. Oh, le malin. Il a levé 5000... Ouh là, il a combien? Il a des mercenaires. Ok, il a levé 6000 troupes d'ordre sacré plus des mercenaires. Ah oui. Chasse. Abattre l'animal. Bah oui, 150. Allez hop. La nouvelle empire. Il manque 18 pièces d'or et 376 de renommée. Ouch. Bon bah je vais me faire défoncer. T'as besoin d'aide? Bah là non, mais c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'il y ait 10 000 troupes. Donc je me suis levé à côté de ses frontières, il m'a attaqué quand j'étais en train de me lever, donc il faut juste que je relève mes troupes ailleurs. Enfin que je lève plus de troupes ailleurs et que je me replie. Parce okay, que là mais... ouais ça m'a piqué. Mais ça devrait le faire, c'est juste que... S'il y a besoin... Tu vois, il devait avoir 2000 troupes à la base, il en ramène 10 000. Ouais, c'est pas normal ça. Non, tu m'étonnes. En fleur de chrétien. Ouais. Ah ouais, bah ça, on les connaît, hein, les chrétiens. Saloperie, sale race. Est-ce qu'on peut voir pays monastique. Et j'ai... Oh putain, j'ai les Corses qui sont aussi en guerre. Ah, mais c'est toi qui as les Guernsey King. Je peux pas l'élever. Non, moi je... Non, c'est pas moi. Bah, ah, ils si sont déjà embauchés, donc... Non, par la Duchesse Marquesa. Non, Duchesse de Barcelone. Ah. D'ailleurs. Ah bon. Ah, la connasse. Elle est en guerre contre des rebelles catholiques. D'accord. Enfin, contre des rebelles. Et moi, je peux pas les recruter parce que je suis pas en guerre avec quelqu'un d'une fausse style, mais si tu m'invites je peux les recruter pour toi et venir t'aider avec eux, je pense. Hein. On va tester. Testons. Mais je ne peux pas t'inviter. Ah bon, je peux pas t'inviter. Ah bon, non. Ah, on est plus alliés. Putain, c'est vrai. Et tu n'as pas de fille dispo, je crois. Si je dois avoir ça, arranger un mariage, je dois avoir ça en stock. Je dois avoir ça en stock. Attends, faut que je regarde parce que c'est mon héritier principal. Ah ouais, alors c'est ce qui est, le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai du risque d'enfant consanguin, c'est mon héritier principal. Ah. Sinon, peut-être avec un frère. Regarde s'il y a moyen. Ah, s'il y a pas le choix. J'ai une sœur. J'ai une de tes sœurs. Avec mon fils. Ouais, ouais, bah ça me va. Hein. C'est juste pour éviter d'avoir un enfant consanguin, voilà, c'est parce que c'est violent le malus. Si on peut. Et maintenant, je peux appeler à la guerre, voilà. On y est allié, ça me l'a même pas demandé, tiens. T'es sûr? Oui, je viens de te l'envoyer. J'ai rien reçu. T'es sûr que t'es allié avec moi? Est-ce que c'est avec toi que je suis allié? Je crois pas. Non. Qui ai-je appelé à la guerre alors? j'ai appelé Grim 3 de Ostfalen, qui est ton vassal. C'est pas moi, voilà, je confirme. Et qui doit pas être terrible du coup. Ah bah non, mais en plus, putain, oui, non, lui c'est l'ancien roi de Poméranie, celui que j'ai défait. Qui est toujours duc de Poméranie par contre. Mais c'est tout. Merde! Attends, je vais regarder moi si je peux te proposer une alliance. Concentre-toi sur tes trucs. Alors. Ah, mais c'est que tous tes frères et sœurs sont morts, toi. Oh, putain, c'est compliqué. Hein. Par cœur. Ah, oh, elle aura peut-être fini sa guerre hein, bientôt. Putain, t'as une fille qui est laide, qui s'autoflagelle et qui est irritable. Putain, oui, elle est laide. Oh lolololololo. Oh, sa fille, elle est affreuse, mon dieu! Ouais, bah oui. Aïe, 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 aïe. C'est laquelle? C'est la fille de ta fille moche. C'est vrai. Ta fille moche, c'est la première vivante. La plus vieille. Ah, la première. Ouais, non, c'est assez chaud quand même, hein.
Effectivement, ouais, c'est C'est chaud. surprenant. Ah oui, c'est surprenant, oui. Mais oui. Je confirme. C'est le mot, surprenant. Et Barcelone, t'en es où de ta guerre là? Ah bah, Barcelone a fini sa guerre. Donc normalement, maintenant l'ordre, je peux le recruter. Voilà, c'est bon, j'ai les Arms Vikings. Ah bah parfait alors. Je vais voir moi si je peux pas commencer à déclarer une petite guerre là pour reprendre des territoires parce que... Ah tiens, le Razakid se fait défoncer par des gens. Non, ne va pas l'attaquer. Non, ne va pas l'attaquer. Et si j'attaque ici? Ça pue comme idée, c'est ça? Ouais, ça pue comme idée. Pas de Suède, alors peut-être pas tout de suite. Estonie, éventuellement. Ouais, ou alors t'as. Ah, quoi que. Ouais, c'est vrai que c'est des. T'as des gros, mais au niveau de la Pologne. Oh non, au sud. Au niveau. Au sud de la Bohème, là. T'as au RAV, t'as plein d'OPM. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, ouais. Tu les attaques tous. Tous en une fois, et ça me fait un duché, ouais. Faut que je fasse attention quand même à leurs alliances. Ah ouais, tu vois, y en a un, il est lié au duc de Haute-Lorraine, 6000 troupes. Faire gaffe quand même. Ouais, faut faire gaffe, mais bon. Tu peux te faire un peu plaisir dans ce coin-là. Ou sinon, t'as aussi. Bon, t'as plus Bruges, mais t'as la Zélande et la Hollande. Zélande. Quelques alliés. Alliés à. Mais que des petits, apparemment. Faut regarder ce qu'ils ont. Et la Hollande, il y a un allié. Franchement, la Hollande, tu peux te le faire. C'est vrai. C'est cadeau, la Hollande. Ah, je peux devenir soit poète. Perte de stress 10%. Ah, ça peut être pas mal ça. Je peux obtenir le trait journal intime. Perte de stress 20%. Je peux même faire couler un bain. Bon, ça dépend, journal intime. Non, on va avoir un journal intime. Voilà, on va perdre mieux le stress comme ça. C'est bien écrit tes pensées. Oula, notre plus jeune fils est blessé. Ah oui, bien comme il faut même. Après, je suis pas étonné d'avoir des enfants moches, hein. Ma première concubine, c'est pas une beauté, hein. Eh ben elle oui. Est pas, ah bah, c'est même pas la, c'est pas la mère de l'enfant, de la fille moche. Non, bah, si tu regardes la mère de la fille moche... voilà, quoi. On comprend. On comprend d'où ça vient. Ah bah oui, je te l'ai dit, hein. Que t'avais déjà une fille, et cette non. fille a une fille, non? Oui, non, mais la mère de la... La grand-mère, si tu veux. Ah, la grand-mère! Oh, ouais. Oh, putain! Attends, peut-être que son... Ah non, ça remonte pas jusqu'à l'arrière-grand-mère, quand même, non? Et l'arrière-grand-père, ça se voit non plus. Non, mais ça... trois générations d'enfants moches, hein. Ouais, c'est... Peut-être quatre, attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, tout ça. Est-ce que je pourrais bientôt faire un assaut pour récupérer ça? Parce que là, j'ai quand même moins 13% de score de guerre. Ah tiens, j'ai ton... l'ancien roi de Poméranie qui est venu m'assister avec 300 troupes. Ah bah voilà, il est quand même venu le coquin. Bon, il va se faire exploser vu qu'il y en a 5000 ennemis qui arrivent sur lui. Mais au moins, il ne posera pas de problème. À personne. Hop, je peux toujours pas lancer d'assaut. Bon, je vais peut-être attendre parce qu'il me manque 141 de prestige, ça monte vite ça. What? Pourquoi ah oui, mais on est. Ah oui, on est à 55 minutes d'épisode. Oh la vache. Oula. Ah oui. j'ai juste l'armée de Constantinople qui est chez moi, mais pas contre moi, hein, juste qui passe chez moi. Ah, ça va, c'est voilà. Bon, tu me rassures.
Oui, tu non, me rassures. je pense que c'est la fin de mon pays si je me tape Constantinople. Quoique, ils sont nuls. Ouais, bah après, oui, certes, mais bon. C'est Constantinople, quoi. C'est... Ça rigole pas. Ouais. Bon! Bon. Bah, quel épisode, quand même. Franchement, oui. Bientôt l'Empire. Ouais, là, il manque pas grand chose. Hein. Clairement, on n'a pas réussi à ce moment-là, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de l'Empire. Ça va le faire. Franchement, ouais. Ça va. Tu vas grossir un peu en plus sur les prochains épisodes. T'as plein d'endroits sur lesquels t'étendre. Tu peux même aller en Autriche. La fameuse Autriche d'Ostfalen, c'est. Tout à fait. Donc voilà. Franchement, il y a moyen. De ton côté, t'as de l'ouverture. De mon côté, j'ai de l'ouverture. Oui, après, il y aura moyen de. Effectivement, de faire ce qu'il faut. Donc voilà, on espère que cet épisode, comme d'habitude, vous a plu. Hein. Si c'est le cas, vous avez aussi toujours l'habitude, c'est pouce bleu, commentaire, abonné. Je pense que vous êtes assez grand maintenant. Et on va se retrouver dès mardi prochain pour un nouvel épisode, si tout se passe bien. Bien évidemment, s'il y a des semaines où ça saute, ne vous inquiétez pas. Ça sera pas, ça veut pas dire que c'est fini, ça veut juste dire que ben, on n'a pas retrouvé moyen de. Ouais, c'est ça, c'est juillet-août, tout ça. Hein, donc, on est en juillet là, mais. C'est possible qu'il y ait des épisodes qui sautent, ne vous inquiétez pas. Le jour où il y aura la fin de la série, on l'annoncera en épisode. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il y aura une vidéo comme quoi on annonce la fin de la série. J'allais dire, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. Effectivement. Mais oui, non, tant qu'on n'annonce pas la fin, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Sur ce, on se laisse et on se retrouve dès mardi. Tout à fait. Plus les gens.